Découvrez ce que le KGB a trouvé dans une tombe égyptienne. L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une race avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats ont réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée dans un ancien pays. Une séquence exclusive de ce qui pourrait être la découverte du millénaire. Apprenez le terrible secret avant qu'il ne soit trop tard. Le 12 avril 1961, le cosmonaute Yuri Gagarin décolla de l'ancienne Union soviétique à bord de Vostok 1. Son vol dura moins d'une heure et le cosmonaute effectua une orbite complète autour de la Terre. Depuis, nous avons toujours cru que le premier être humain à avoir été mis sur orbite était un soviétique. Mais est-il possible que des siècles avant Gagarin, le premier terrien à avoir quitté notre planète ait été un ancien Égyptien? Est-il possible également que les scientifiques russes aient été au courant de cette possibilité dès les années 60? Des récents documents provenant de l'ex-Union soviétique démontrent en effet que les chercheurs russes vouaient une curiosité toute particulière à certains artefacts découverts en Égypte. Des artefacts qui, à les en croire, prouveraient la réalité d'un très ancien contact entre les humains et des créatures venues d'une autre planète. On a toujours présumé qu'on devait chercher la vie extraterrestre au-dessus de nos terres. On observe le ciel pour voir des ovnis. On sonde l'espace pour capter des signaux extraterrestres. Qui aurait pensé chercher des extraterrestres sous terre? Personne, sauf le KGB. Le docteur Viktor Ivanovitch détient des diplômes en astrophysique et en neurologie. Alors qu'il travaillait au Kremlin en tant que conseiller scientifique pour des systèmes avancés de propulsion, le docteur Ivanovitch prétend qu'il a eu accès à des dossiers d'une mission du KGB appelée Projet Isis. L'objectif du projet Isis était de découvrir des traces de connaissances et des objets égyptiens susceptibles d'avoir des applications militaires. Isis était l'une des missions de recherche secrète qu'avait lancé le KGB à cette époque. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage des restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques, montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Bien avant les Babyloniens ou les Grecs, avant les dieux des Assyriens ou des Crétois, bien avant tous les autres, existait l'Égypte. Le monde doit beaucoup aux anciens Égyptiens. Ils ont été les premiers mathématiciens, les premiers astronomes. Ils ont légué au monde les principes de la géométrie, l'utilisation des symboles pour représenter les nombres. Le premier calendrier était égyptien, tout comme l'était le premier papier à écrire.
On a trouvé les premières bibliothèques au monde enterrées sous le sable d'Égypte. C'est la raison pour laquelle la divulgation du projet ISIS est si troublante. Si le docteur Ivanovitch dit vrai, si le KGB a bel et bien trouvé le cadavre d'un extraterrestre dans un tombeau en Égypte, nous devrons reconsidérer l'histoire de la civilisation. Chaque année, des centaines de fouilles archéologiques ont lieu en Égypte. Leur objet peut être d'analyser des antiquités étudiées depuis longtemps, de rechercher de nouveaux indices susceptibles de contredire d'anciennes théories ou de reconstruire la vie d'un village d'esclaves à partir de fragments du passé. Nous sommes en train d'excaver un site dans ce qu'on appelle le Nouveau Royaume, sur la route des esclaves en direction de la Vallée des Rois. La question est de savoir de quelle manière les anciens Égyptiens nourrissaient des centaines, peut-être des milliers d'esclaves dont ils avaient besoin pour créer ces structures gigantesques. La question fondamentale à propos de l'ancienne Égypte consiste à comprendre comment une civilisation si avancée est apparue au paroxysme de son développement aux environs de 2500 avant Jésus-Christ. Toutes les autres anciennes civilisations ont connu un développement historique graduel. Elles ont appris le commerce, créé des économies, et elles ont développé leur technologie au long de centaines, voire de milliers d'années. Ce n'est absolument pas vrai de l'ancienne Égypte. En 2500 avant Jésus-Christ, boum, une société totalement accomplie émerge du désert. C'est comme si une voiture Ford de modèle T devenait en une minute une navette spatiale. Le problème majeur dans ce cas, c'est qu'il ne semble pas y avoir eu de développement historique graduel susceptible d'expliquer le développement de l'ancienne Égypte. On dirait que sa création était basée sur un héritage. Certains ont émis l'hypothèse que l'Égypte a été construite sur les restes d'une civilisation perdue qui a péri lors du déluge biblique. Le docteur Ivanovitch prétend que le projet ISIS a discrédité cette théorie. D'après lui, le KGB a découvert des preuves selon lesquelles l'Égypte a été fondée sur l'héritage de sagesse laissée par une race extraterrestre. À venir, une séquence exclusive de la plus fantastique découverte du millénaire. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient, la première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Avant le démantèlement de l'Union soviétique, le KGB était synonyme d'efficacité et de terreur. À lui seul, il constituait une véritable milice prête à tout pour assurer la sécurité du Kremlin. Curieusement, aujourd'hui, alors que les archives du KGB s'ouvrent lentement aux chercheurs occidentaux, on y découvre des dossiers pour le moins surprenants. Le projet ISIS vit le jour pendant les années 50, en pleine après-guerre. Un nouvel empire soviétique avait émergé des cendres de la Deuxième Guerre mondiale. La Russie n'était plus une nation agraire peu développée. La mère patrie était devenue une superpuissance et voulait que cela se sache. Sous la dictature de Nikita Khrouchtchev, les Soviétiques étaient déterminés à montrer aux démocraties occidentales la supériorité du communisme. L'Amérique ne pouvait pas rester de glace devant ce défi. La concurrence que se sont livrées ces deux superpuissances a énormément vidé les caisses de l'économie soviétique. Devancer les Américains en lançant avant eux un homme dans l'espace releva d'un grand fait d'armes propagandiste, mais cela coûta des milliards de roubles. La même chose avec la course aux armements. Chaque fois que l'Amérique testait une bombe nucléaire, la Russie en testait une plus puissante, ce qui coûtait au gouvernement soviétique d'autres milliards. Devant un monde réduit à observer et à prier, les deux nations se sont lancées dans une guerre froide pour posséder la suprématie technologique. Khrouchtchev savait que ce que l'on appelait le camp socialiste dirigé par l'Union soviétique ne pourrait pas maintenir ce rythme. Il ne possédait pas les ressources de l'OTAN.
C'est à ce moment-là que le KGB reçut l'ordre de rechercher des moyens moins coûteux pour accomplir des avancées technologiques. Au summum de la guerre froide, le KGB constituait la plus grande police secrète et force d'espionnage de la planète, avec plus de 300 000 agents. Sous les ordres du Kremlin, le KGB investissait ses considérables ressources dans des domaines que certains qualifieraient de sciences marginales. Le KGB mena des recherches sur les pouvoirs de l'esprit. Il effectua des expériences pour tester la possibilité de regrouper des intelligences grâce au contrôle de l'esprit. Des premières machines destinées à altérer l'esprit humain. Les Américains avaient peur des programmes de recherche soviétiques parce qu'ils savaient que l'Union soviétique ne s'en servirait pas dans un but pacifique. Le but de l'Union soviétique était de remporter la victoire en dépassant les États-Unis. Le Kremlin s'intéressait également beaucoup aux ovnis. Il espérait que le résultat de ses recherches sur les engins extraterrestres permettrait d'améliorer le design aéronautique. L'ex-Union soviétique était l'emplacement idéal pour étudier les objets volants non identifiés. Plus de gens avaient aperçu des ovnis en Russie que dans n'importe quelle autre nation. Cela s'explique en partie par le fait que les frontières russes délimitaient le plus grand territoire du monde. Le cas d'OVNI le plus captivant est connu sous le nom d'incident de Dalnagorsk. C'est l'écrasement le mieux documenté parce que les fragments ont été conservés et analysés. Ce n'était pas un gros objet, mais quelque chose s'est écrasé sur une colline de Dalnagorsk en janvier 1986. À partir de l'analyse du site de l'écrasement, cette simulation par ordinateur illustre les derniers moments du vaisseau spatial. En faisant dérouler la cassette au ralenti, on comprend mieux pourquoi la forme de soucoupe est tellement présente dans les témoignages de gens qui disent avoir vu des ovnis. Selon les meilleurs spécialistes, un avion de forme classique qui aurait volé dans les mêmes conditions défavorables serait venu planter son nez dans le sol et aurait explosé. Tandis que la forme de soucoupe permet au vaisseau spatial de rebondir en faisant des tonneaux. Il a été endommagé, mais pas détruit. Les producteurs ont obtenu de la mafia russe cette séquence secrète et exclusive du KGB. Le film montrerait du personnel militaire et des agents du KGB sur le site où se serait écrasé l'objet en forme de soucoupe. L'homme qui porte le bonnet de fourrure est à la tête de la mission. On croit qu'il s'agit d'un agent haut placé du KGB. On n'est toujours pas sûr que l'incident de Dalnagorsk soit un écrasement d'OVNI. Mais certains pensent que le KGB a mené à bien sa mission de trouver de la technologie extraterrestre pour l'adapter aux avions soviétiques. Les OVNIs, le paranormal et le projet ISIS faisaient partie de la stratégie du Kremlin pour atteindre la supériorité militaire. D'après Ivanovitch, l'objectif du projet ISIS était de trouver un ensemble de connaissances avancées laissées par une civilisation disparue. Des connaissances qui donneraient à l'Union soviétique une avance invincible dans sa quête de la domination planétaire. L'une des légendes qui perdurent en Égypte veut que quelque part dans ce pays, peut-être à l'intérieur de la Grande Pyramide ou dans une tombe perdue, se trouve une chambre des connaissances qui contient la sagesse des dieux venus des étoiles. Depuis l'an 820 après Jésus-Christ, des explorateurs rêvent de trouver la mythique chambre des connaissances. Le cheikh Abdullah Al-Mamoun a été le premier à pénétrer dans la Grande Pyramide.
Le chèque était attiré par la légende selon laquelle des dossiers sur le passé et l'avenir de l'humanité étaient cachés dans la pyramide. En inventant des histoires d'or et de trésors, le chèque amena ses hommes terrifiés à marcher dans les couloirs. Lorsque les explorateurs arabes pénétrèrent dans la chambre des rois, ils n'y trouvèrent qu'un sarcophage vide. Certains pensent que s'il existe une chambre de l'ancienne sagesse, elle doit se trouver sous la Grande Pyramide. Pendant des années, des gens ont spéculé à propos de l'existence de passages souterrains qui relieraient la pyramide au sphinx. De récentes recherches sismiques sous-entendent l'existence d'une caverne mystérieuse qui ressemblerait à une chambre et se trouverait sous le sphinx. Cette hypothèse a relancé le débat sur une chambre des connaissances. Existe-t-il un entrepôt de connaissances qu'auraient laissé derrière eux d'anciens visiteurs? Il semblerait que oui. À venir. Ce serait tout à fait logique. L'Égypte constituerait un choix évident pour des extraterrestres désireux d'établir un avant-poste pour explorer la planète. L'Égypte a été la première civilisation. Les pharaons ont régné sur leur royaume pendant plus de 1000 ans. Qui étaient ces gens mystérieux? D'où tenaient-ils leur pouvoir et leur richesse? Où ont-ils trouvé leur sagesse? L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée qui existait avant l'histoire égyptienne traditionnelle. L'équipe d'archéologues était composée d'égyptologues de l'Académie soviétique russe des sciences. C'était l'une des meilleures écoles de cultures anciennes du monde entier. Malgré cela, les dirigeants du KGB donnaient peu de chances de succès au projet. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne sais pas ce qu'il recherchait, mais on ne peut pas dire non au KGB. On reçoit des ordres auxquels on doit obéir. J'ai recommandé de commencer à travailler sur le plateau de Gizeh. Un voyage en Égypte rend humble. Les vieux monuments projettent toujours leur ombre élancée sur les œuvres des hommes. Le complexe de Gizeh inclut la grande pyramide de Khéops. Celle de Mykérinos se trouve à proximité. On peut encore voir certains des temples mortuaires. La pyramide du pharaon Khéphren est la deuxième plus élevée après la grande pyramide. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est Khéphren qui a décidé de construire le sphinx. Le complexe de Gizeh inclut la grande pyramide de Khéops. Celle de Mykérinos se trouve à proximité. On peut encore voir certains des temples mortuaires. La pyramide du pharaon Khéphren est la deuxième plus élevée après la grande pyramide. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est Khéphren qui a décidé de construire le sphinx. La statue colossale, gravée à même le roc, semble garder des secrets enterrés sous le sable. La construction des monuments qui se trouvent sur le plateau de Gizeh a duré des siècles. Cela devait être une vision extraordinaire. Les pyramides et les statues gigantesques, les temples, les cryptes et les chaussées. Gizeh incarnait la puissance de l'Égypte et la divinité d'un dieu vivant appelé Pharaon.
aucun monument ne symbolisait mieux le pouvoir divin du pharaon que la pyramide de Khéops. La grande pyramide n'a jamais été égalée en taille ni en degré de précision. Elle pèse environ 6 millions de tonnes, 20 fois le poids de l'Empire State Building. Jusqu'à l'érection de la tour Eiffel, la grande pyramide était la structure la plus élevée du monde. Plus de 2 millions de pierres ont été utilisées pour sa construction. Aucune ne pèse moins d'une tonne et certaines pèsent jusqu'à 30 tonnes. À l'intérieur, des couloirs relient les chambres. Des puits se rendent jusqu'à l'extérieur. Aujourd'hui, la pyramide est faite de pierres brutes, mais autrefois elle possédait un fini extérieur semblable à un miroir. On pense qu'elle était ornée d'un sommet en or. Il réfléchissait la lumière du soleil sur des centaines de kilomètres. Durant des siècles, les experts ont émis des hypothèses sur la fonction des pyramides. La théorie la plus connue prétend que les pyramides étaient des passages symboliques vers l'après-vie. D'autres croient que la pyramide était un observatoire astronomique. D'autres encore parlent d'un instrument de sondage géographique. Une théorie bizarre prétendait que la Grande Pyramide était un élévateur à grains. Toutefois, les spécialistes s'accordent pour dire que les pyramides étaient bien plus que de gigantesques tombes. Personne n'a trouvé de preuve d'un enterrement dans une pyramide. Nous ne savons toujours pas comment elles ont été construites. Plusieurs académiciens s'interrogent toujours sur les moyens utilisés par les anciens Égyptiens pour ériger leurs pyramides. Jusqu'à maintenant, les méthodes traditionnelles de construction évoquées par les archéologues semblent toutes présenter de sérieuses lacunes. Tablant sur ces inconsistances, certains n'hésitent pas à prétendre qu'une telle technologie n'existait pas il y a 5000 ans, lors de l'aménagement du plateau de Gizeh. Les constructeurs des pyramides connaissaient des informations qui ne devaient pas être redécouvertes avant des siècles. Par exemple, en multipliant la hauteur de la grande pyramide par 1 milliard, on obtient la distance qui sépare la Terre du Soleil. La pyramide a été bâtie selon les 4 directions d'une boussole, une précision inégalée. Incroyablement, la grande pyramide se trouve exactement au centre de la masse de Terre de notre planète. Quand j'ai commencé ma recherche à Gizeh, j'ai été immédiatement frappé par le fait que quiconque avait construit les pyramides pouvait déterminer la longitude et la latitude. C'est fantastique, étant donné que la technologie pour calculer la longitude n'a pas été inventée avant les années 1600. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les pyramides ont été construites très exactement au centre de la Terre. Elles sont visibles d'une altitude très élevée, même de la Lune. Leur forme est l'une des plus appropriées pour la réflexion radar. Pour ces raisons, j'ai fait savoir au KGB que les pyramides d'Égypte avaient été construites pour la navigation d'explorateurs extraterrestres. C'est parfaitement logique. L'Égypte constituerait un choix évident pour des extraterrestres qui devraient établir un avant-poste pour des expéditions planétaires. L'atterrissage initial d'explorateurs extraterrestres devrait se faire sur une surface plane comprenant peu d'obstacles. L'Égypte constituerait un choix évident étant donné qu'elle se trouve également au centre de la masse de terre habitable de notre planète. À venir. Remember, nobody knows my name. It'll never appear on TV. Certains experts pensent que le Kremlin craignait que la CIA entende parler de la mission en Égypte. La Russie, sentant la pression de la concurrence américaine dans la course aux armements et à l'espace, ne voulait pas commencer une course à la tombe. La situation géopolitique de l'époque permettait au projet ISIS de se dérouler dans la plus grande discrétion. À la fin des années 50, l'Égypte recevait 43% de toute l'aide soviétique à destination du tiers-monde. Quand le projet ISIS a été lancé, le personnel de l'armée soviétique présent en Égypte totalisait plus de 20 000 personnes. Cette forte présence militaire permettait aux scientifiques de la mission de travailler dans la plus complète discrétion. D'après Ivanovitch, les scientifiques de la mission résidaient au Caire.
De là, de petites équipes d'archéologues partaient étudier les pyramides de Gizeh. Souvent, ils se déguisaient en paysans arabes ou en officiers de l'armée. Pour d'étranges raisons, on nous envoyait là-bas en uniforme, munis de fusils, comme si nous étions des soldats, alors que nous étions des archéologues. On disait à tout le monde qu'il s'agissait d'un groupe d'archéologues à la recherche d'objets, et tout le monde l'acceptait parfaitement. Le projet ISIS ne reposait pas seulement sur des archéologues déguisés. En 1959, le KGB recruta un membre officiel du gouvernement Nasser, Sami Sharaf, le directeur du bureau d'information du président. Grâce à sa position, il avait accès aux informations hautement confidentielles. Sharaf était également spécialisé en écoute clandestine de fonctionnaires égyptiens. Assez souvent, les informations qu'il rassemblait n'avaient pas beaucoup d'importance. Toutefois, d'après Ivanovitch, la nuit du 24 juillet 1960, une conversation fut enregistrée. Cet enregistrement allait catapulter le projet ISIS dans le domaine du mythe et de l'incrédulité. J'ai obtenu cet enregistrement grâce à des sources que je dois protéger. L'un des principaux fonctionnaires surveillés par Sharaf avait téléphoné à son frère. Apparemment, deux bédouins étaient tombés sur une tombe cachée. Ils ont déliré pendant quelques jours et on a fini par les emmener dans un hôpital local. Ils n'arrêtaient pas de répéter ces mots, Makbarat al-Zohar, qui signifie la tombe du visiteur. Une tombe de l'ancien dieu égyptien qui n'existe pas dans le panthéon égyptien. Il ne fait pas partie des dieux. Il a un signe spécial qui le désigne comme un dieu en visite. Long before the time of the pharaohs, there was a god who came from the skies with the others of his kind. They brought magic to the land, wonders, power and wisdom. They returned to their home in the stars, but one stayed behind and taught the people of Nile all he knew. He was buried in the secret place. It is called Maqbarat al-Zuwar, the tomb of the visitors. Est-il possible que le mythe dissimule la vérité, qu'une légende soit basée sur un fait? Il faut tenir compte du mythe, du folklore et de la légende. C'est comme une perle dans une huître. On commence par un petit grain de vérité. Au fur et à mesure que les années passent, il s'enjolive et devient une légende. Les producteurs de cette émission étaient sceptiques. Ils avaient du mal à accepter la possibilité que le KGB puisse croire qu'une mythologie mène à des connaissances extraterrestres avancées. Pour vérifier la véracité du projet ISIS d'une façon indépendante, les producteurs ont retrouvé un ancien courrier diplomatique de l'Union soviétique. Cet homme travaille maintenant pour la mafia russe. Je travaillais en tant que messager pour le corps diplomatique. L'un de mes rôles consistait à faire passer des documents entre le Caire et Moscou. Certains d'entre eux provenaient de M. Sharaf, directeur, à l'époque, du Centre d'information égyptien. C'était aux environs des années 60. La plupart des papiers n'étaient pas intéressants, mais certains d'entre eux, que je ne pouvais pas comprendre, étaient codés.
Mais j'ai réussi à en comprendre quelques-uns qui m'ont semblé bizarres. Et j'ai décidé d'en faire une copie. Non. L'homme voulait de l'argent contre ses documents. Notre producteur lui a expliqué qu'il ne paierait pas à moins d'être certain que les documents provenaient du projet ISIS. On l'emmena jusqu'à une tour à bureau abandonnée dans la banlieue de Moscou. Cette séquence a été filmée à partir d'une caméra cachée. Is that what you used as a courier? Yeah. Parmi les documents figurait un mémo adressé à un officier de haut rang du KGB. On peut y lire ces mots. Mes agents ont mis en lieu sûr les notes de l'un des scientifiques qui a travaillé sur les découvertes faites à la tombe du visiteur. Un autre était un inventaire du contenu de la tombe. Sur ce document, classé ultra confidentiel, on pouvait lire. Emplacement de la découverte non révélé. Sujet, 15 caisses de reliques. Un corps partiellement momifié, un sarcophage de pierre et 8 échantillons de hiéroglyphes. Un scientifique du projet, qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la tombe, a écrit ce rapport. En inspectant la partie du mur, nous avons ressenti une sensation étrange. Une force magnétique répulsive semblait émaner de la pierre. Nous avons été incapables de trouver une quelconque explication scientifique. Ce mémo provient du rapport du cryptologue. Découverte, le message partiellement décodé sur le mur de la tombe indique une prophétie selon laquelle les anciens dieux ailés reviendront. Le document faisait clairement comprendre que le Kremlin prenait le mythe très au sérieux. Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site. Des mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient, la première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques, montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ.
Selon des documents du KGB, les scientifiques assignés à ce projet ont commencé à se demander si le plateau de Gizeh n'avait pas été conçu dans un but précis. Des recherches ultérieures ont appuyé cette théorie. Il existe différentes écoles de pensée, mais je crois que les pyramides, du moins certainement la Grande Pyramide, étaient une machine. Elles devaient servir à quelque chose. Les mesures en sont extrêmement précises. Par exemple, le rapport entre la hauteur de la pyramide et son périmètre est le même que le rapport entre le rayon de la Terre et sa circonférence. On peut donc considérer la pyramide comme une représentation triangulaire tridimensionnelle d'un hémisphère, ce qui laisse penser qu'il y avait peut-être une raison pour que la pyramide résonne avec la planète. En 30 secondes, je peux convaincre les plus grands sceptiques que les pyramides ont la capacité de transformer les ondes cosmiques. Cela peut sembler étrange, mais il s'agit d'un prisme. L'astronome archéologue Yuri Vladimir est d'accord avec l'hypothèse du prisme. Les pyramides sont en effet d'énormes prismes capables de concentrer l'énergie. En s'emparant de la lumière des étoiles, la Grande Pyramide deviendrait un émetteur interstellaire. Les scientifiques du projet prétendent que les trois pyramides et le sphinx pourraient faire intégralement partie d'une immense machine conçue par des ingénieurs extraterrestres. Selon eux, tous les monuments de Gizeh sont reliés par un mécanisme de commande centrale situé à l'intérieur de la Grande Pyramide. Dans la Grande Pyramide, un passage mène à la Chambre des Rois. Au-dessus du sarcophage se trouve un tunnel que certains appellent « couloir des étoiles ». À l'occasion d'un alignement céleste spécifique, la lumière des étoiles inonde ce couloir. Des chercheurs ont émis la théorie que l'énergie irradiante, en touchant le sarcophage, pourrait amorcer un processus semblable à une fusion à froid. Les chercheurs qui travaillaient sur le projet pensaient que la structure en prisme de la pyramide amplifierait l'énergie et la transférerait aux autres monuments. D'une façon que l'équipe ne comprend pas parfaitement, un rayon unifié d'énergie pourrait apparaître et transformer la Grande Pyramide en une balise cosmique employée par les vaisseaux extraterrestres pour la navigation astronomique. Il s'agit sans aucun doute d'une théorie tirée par les cheveux. Mais l'équipe de chercheurs de Gizeh en a immédiatement informé le quartier général du KGB. Nous avons mis le KGB au courant de nos découvertes. On nous a ordonné de chercher les endroits visés par les transmissions émises depuis les pyramides. En parallèle au travail qui continuait à Gizeh, les scientifiques à Moscou se préparaient à établir le portrait le plus étonnant de l'histoire. À l'aide d'une technique utilisée en médecine légale, ils réussirent à reconstituer le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée, dans un pays millénaire. Une séquence exclusive de ce qui pourrait être la découverte du millénaire. Apprenez le terrible secret. Papa! Avant qu'il ne soit trop tard. Dans le film « Les aventuriers de l'Arche perdue », les nazis se rendent en Égypte à la recherche d'un trésor archéologique, en l'occurrence l'Arche d'Alliance de Moïse, qui, l'espèrent-ils, leur donnera un pouvoir extraordinaire sur leurs ennemis. Comme vous allez le voir, parfois la réalité dépasse la fiction.
Les anthropologues pensent que d'autres cultures ont peut-être été poussées par les mêmes motivations qui ont abouti à la construction des pyramides d'Égypte. On a trouvé d'anciennes pyramides dans des lieux aussi divers que le Mexique et la Chine. Beaucoup d'experts ont conclu qu'il doit exister un lien historique. Il existe une coïncidence étrange dans le fait qu'il y ait une civilisation d'origine surnaturelle ou incompréhensible commune à toutes ces autres civilisations. Toutes ces légendes et ces mythes parlent d'êtres qui étaient des hommes sans être des hommes, mais qui ont vécu longtemps. Ces géants seraient montés à bord de vaisseaux spatiaux pour voyager parmi les étoiles, et ils nous auraient enseigné le langage, les alphabets et les calendriers. D'après la légende, les pyramides de Chine furent construites sous le règne des premiers empereurs, ceux qu'on appelait les fils du ciel. De semblables légendes entourent les pyramides du Mexique et du Yucatan. Étrangement, le terme « marcheur d'étoiles » se retrouve dans le folklore sud-américain et dans les écrits égyptiens. Les Égyptiens employaient l'expression « voyageur d'étoiles » pour décrire une catégorie de dieux humains. Ils étaient des hommes sans être des hommes. Ils étaient plus grands que des hommes. Peut-être étaient-ils les géants ou les titans qui marchaient parmi les étoiles. On retrouve ce concept d'hommes qui marchent parmi les étoiles, mais qui ne sont pas des hommes, qui sont semblables à des dieux. Ils marchaient parmi les étoiles et ont décollé de la Terre dans des vaisseaux spatiaux. La Bible nous parle de l'un d'entre eux. Quand on croit en la Bible, on est presque obligé de croire en cette notion. De mon côté, cela me met la puce à l'oreille quand différentes cultures disent la même chose. La similarité des mythes parmi diverses populations à propos de la construction des pyramides pousse certains experts à croire que toutes les cultures pourraient provenir d'une unique civilisation ancestrale. Cette race mystérieuse est peut-être à l'origine de la plus vieille civilisation connue sur le continent américain. Les Incas du Pérou ont presque atteint le même niveau d'ingénierie de construction que les Égyptiens. De la même façon que les Égyptiens, les Incas n'avaient aucune connaissance de la roue, et pourtant, des milliers de routes parsemaient leur empire. Comment et pourquoi les premiers Incas ont-ils construit des routes sur le terrain le plus inhospitalier de la planète? Les ingénieurs d'aujourd'hui auraient du mal à construire le centre spirituel de Machu Picchu. Comment les Incas déplaçaient-ils d'énormes pierres à de telles hauteurs? Peut-être une civilisation inconnue qui avait d'abord fait son apparition en Égypte a-t-elle aidé les Incas? Certains disent que cette race mystérieuse nous a laissé des capsules témoins de connaissances. Pour découvrir notre héritage antique, nous devons résoudre l'énigme de la pyramide. Les membres de l'équipe scientifique de Gizeh croyaient avoir découvert le secret des pyramides. Selon eux, des voyageurs extraterrestres se servaient des pyramides comme d'un outil pour la navigation astronomique. Le KGB a ordonné à l'équipe de déterminer l'emplacement cible. Les planètes, les étoiles, les constellations et les galaxies sont constamment en mouvement. Les scientifiques du projet ont dû reproduire le ciel nocturne tel qu'il était au-dessus de Gizeh il y a des milliers d'années. Nous savons maintenant beaucoup de choses et nous pouvons calculer l'emplacement des corps célestes à un moment donné. Disons que la construction date de 1000, 2000, 2500 ans. Pour la période 2500 avant Jésus-Christ, les scientifiques de la mission n'ont trouvé aucun alignement direct entre les pyramides et un groupe de planètes ou d'étoiles. Grâce à une simulation par ordinateur, nous avons été capables de reproduire la sphère céleste telle qu'elle était avant la civilisation humaine. Ils ont remonté dans le temps à la recherche d'un lien entre les pyramides et un objet astronomique.
En 10500 avant Jésus-Christ, quelque chose de très bizarre s'est produit. Rien ne correspondait en 2500 avant Jésus-Christ, mais une correspondance existait en 10 000 avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Selon les chercheurs, en 10500 avant Jésus-Christ, les trois pyramides de Gizeh étaient alignées sur les étoiles de la constellation d'Orion. Les monuments de Gizeh visaient la constellation d'Orion. Cela ne pouvait être par hasard. Les constructeurs des pyramides doivent avoir travaillé à l'aide de plans conçus au 11e millénaire avant Jésus-Christ, avant que les pyramides n'aient été construites. Une corrélation identique fut découverte lorsque les membres de l'équipe testèrent les objets. Nous avons commencé par effectuer un prélèvement d'échantillons radioactifs. Les résultats sur les reliques et la momie ont été négatifs. Un prélèvement microscopique d'échantillons de composition minérale ainsi qu'un bombardement magnétique de particules à neutrons ont indiqué qu'il s'agissait d'un mélange de métaux et de matériaux synthétiques d'origine inconnue. D'autres tests par la datation carbone 14 ainsi qu'un prélèvement d'échantillons radioactifs ont établi la date au-delà de 10 000 avant Jésus-Christ. Le quartier général explosa d'enthousiasme. La date du tombeau correspondait à la date du site de Gizeh. Les scientifiques conclurent qu'il devait exister un rapport entre la conception des pyramides en 10500 avant Jésus-Christ et la momie trouvée dans le tombeau. Le KGB ordonna de plus amples tests. Des médiums effectuèrent des études paranormales sur le tombeau. On a produit une projection informatique de la momie, telle qu'elle reposait à l'origine dans le sarcophage. À partir du moment où les scientifiques ont déclaré pouvoir déterminer la physiologie de l'individu, la reconstitution de ses caractéristiques faciales a commencé. Grâce à la reconstitution par la médecine légale, on a pu reproduire le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. Les caractéristiques incluent un grand crâne, des yeux exceptionnellement grands, un petit menton, une petite bouche, signes visibles de dents, un long cou. L'individu mesurait environ 2 mètres. Au fur et à mesure que le travail de médecine légale continuait, les chercheurs présents à Gizeh exploraient l'unité située entre les pyramides et la constellation d'Orion. Les scientifiques ont placé une carte céleste sur le plateau. Dans l'axe des pyramides se trouvaient les trois étoiles qui constituent la ceinture d'Orion. Ils ont ensuite tracé le chemin suivi par les étoiles et ont pris les tangentes du Sphinx et des pyramides. C'était comme une carte au trésor. Les pyramides, les chemins des étoiles qui se croisaient. Un X marquait une étoile dans la constellation d'Orion, une étoile très semblable à notre Soleil. Dans les laboratoires de Moscou, la reconstitution faciale touchait à sa fin. Je sais que cela paraît incroyable. Je n'aurais pas cru moi-même si je n'y étais pas trouvé. Mais la reconstitution de la momie ne semblait pas être humaine. La légende est peut-être vraie. Nous avons peut-être trouvé un extraterrestre dans ce tombeau. À venir. La conclusion était inévitable. Les extraterrestres venus sur notre planète au 11e millénaire avant Jésus-Christ ont jeté les bases pour construire les pyramides des milliers d'années plus tard. Ils sont venus de la planète qui tournait autour d'une étoile, dans la constellation d'Orion. Un secret absolu entourait les laboratoires et les bureaux du projet ISIS. Mais beaucoup de ceux qui travaillaient sur le projet étaient des professeurs, des savants et des scientifiques, des gens qui ont l'habitude de discuter de leur travail. Des documents ultra-secrets ont commencé à circuler et des rumeurs se sont propagées. On s'est mis à entendre parler de l'extraterrestre et du tombeau.
Un groupe de personnes a commencé à se rassembler, d'anciens employés du KGB, surtout des informaticiens et des techniciens. Ils croyaient que le tombeau était celui d'un extraterrestre, autrefois adoré comme étant le dieu Osiris, que cet être avait apporté sur Terre la science et les mathématiques, et qu'il était à l'origine de la croissance de la civilisation. Ces gens se sont fait appeler les disciples. Ils ont tiré leur nom d'un passage obscur du livre égyptien des morts. Selon la croyance égyptienne, une famille de dieux est venue des étoiles en apportant au peuple du Nil la sagesse de l'univers. Un jour, les dieux sont retournés dans leur maison céleste, tous sauf Osiris. Ce dieu a réuni un groupe de mortels et leur a enseigné de nombreuses connaissances, y compris la magie des nombres. Ils se sont fait appeler les disciples. Il était de leur devoir de protéger et de préserver la connaissance sacrée jusqu'à ce qu'Osiris revienne pour leur montrer le chemin vers l'immortalité. Les Égyptiens étaient d'extraordinaires astronomes parce qu'ils comprenaient, du plus profond de leur être, que les étoiles représentaient la carte qui mènerait au grand dieu Osiris, à la vie après la mort. Je crois que l'idée d'immortalité, de continuité, est un aspect fondamental de la nature humaine. Nous ne sommes pas ici pour y passer 5 minutes avant de mourir. Non, l'être humain doit posséder une dimension de foi. Il doit croire que l'âme, l'esprit, l'essence de l'individu continue son cheminement. C'est la raison pour laquelle le christianisme, l'islam et le judaïsme existent. C'était exactement la même chose pour les anciens Égyptiens. Ils croyaient, ils savaient que les âmes étaient immortelles. Le Kremlin, inconscient de la brèche dans le système de sécurité et refusant de voir la valeur d'un squelette extraterrestre, aurait ordonné au KGB d'orienter tous ses efforts vers le but initial du projet ISIS. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roche. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roche. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Une légère ombre qui ressemblait à un passage. Juste sous le tombeau se trouvait une grande chambre sphérique. Beaucoup de personnes participant au projet ISIS ont cru avoir trouvé la légendaire chambre de connaissance. Apparemment, l'extraterrestre découvert était enterré avec une énorme bibliothèque de connaissances et de données qui provenait d'une culture extraterrestre avancée. Cela pourrait s'avérer très pertinent du point de vue militaire. Nombreux étaient ceux qui voulaient qu'on ouvre la chambre. Leur argument était basé sur les faits suivants. La mission en provenance d'Orion s'était posée à l'emplacement idéal pour construire les pyramides qui serviraient de balises de navigation pour la reconnaissance future de notre planète.
Le premier rapport sur un ovni a été fait par le grand prêtre du pharaon Thutmose III, il y a environ 3400 ans. Des témoins ont continué à dire avoir vu des ovnis. Mais le nombre de témoignages s'intensifia quand l'homme obtint la maîtrise des cieux. Au début de l'ère nucléaire, quand l'homme découvrit les secrets du fonctionnement de l'atome, les extraterrestres d'Orion se mirent à observer davantage la Terre, ce qui finit par aboutir à l'incident de Roswell. Il y a une explosion des contacts avec les ovnis. Au début des années 60, les rapports d'enlèvement ont commencé à se répandre. Un modèle a émergé. Presque toutes les personnes enlevées évoquaient un examen physique. Les femmes parlaient d'insertion d'objets, quelque chose ressemblant à l'insémination artificielle. Beaucoup pensaient avoir été de nouveau enlevés et avoir donné naissance à des hybrides extraterrestres. Durant la dernière décennie, les rapports de gens crédibles prétendant avoir été enlevés ont énormément augmenté. Beaucoup d'éléments de leur expérience se ressemblent. Les mêmes marques physiques sont laissées sur le corps des victimes. Beaucoup se souviennent de détails similaires à propos des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Certains experts disent que la similitude des rapports constitue la preuve circonstancielle que les enlèvements extraterrestres sont réels. Le phénomène des enlèvements relève-t-il d'un programme de colonisation génétique commencé dans les temps anciens? Les extraterrestres sont-ils en train de se cloner en insérant leurs gènes dans l'ADN humain? Les Égyptiens croyaient que l'ADN venait du ciel et y retournerait un jour. Il se peut tout à fait qu'ils parlaient de puissants dieux venus sur Terre avec leur connaissance de l'ADN et avec leur propre ADN. Autrement dit, une partie de l'ADN dont les gens sont composés provient en réalité des étoiles. Dans sa quête d'une chambre secrète de connaissance, le KGB a-t-il découvert la terrible vérité qui se cache derrière les enlèvements extraterrestres? Le génie génétique transforme-t-il les êtres humains en une espèce extraterrestre? Croyant voir trouver la mythique chambre de connaissance, beaucoup exigeaient des fouilles immédiates, tandis que d'autres exprimaient leur inquiétude. Selon ces derniers, le tombeau pourrait être une sorte de cheval de Troie extraterrestre. Ouvrir la chambre sans faire de plus amples études pourrait mettre le monde en danger. Indécis quant aux décisions à prendre, le KGB n'a rien fait. Il a fait sceller le tombeau et effacer des dossiers toute trace de son emplacement. Le dossier Isis a été officiellement clos en 1981. Mais beaucoup de ceux qui étaient associés à ce projet n'ont plus jamais été les mêmes. On parla de changement de personnalité, d'adoption de nouvelles croyances religieuses, de disparition et même de suicide. C'était un physicien qui travaillait pour le gouvernement russe. Ils ont constitué un groupe. Je ne dirais pas un culte, mais c'était peut-être le cas. Une nuit, je suis revenu de l'école et la maison entière était en désordre. Il y avait des papiers sur le plancher. Ils discutaient des imminentes visites d'extraterrestres. Ils s'y préparaient. C'était effrayant parce que quand j'étais petite, je croyais ce genre de choses. La nuit avant l'événement, il parlait à ma mère et je l'ai entendu dire « Égypte, quelque chose qui ne vient pas de ce monde » et ensuite « KGB ». C'est à peu près tout. C'était effrayant pour moi de me rendre compte que ma famille appartenait à une sorte de culte. Dieu sait en quoi il croyait. C'était très étrange. Je pensais que les membres de ma famille ne tournaient peut-être pas rond.
Quand je suis entré dans la pièce, mon père gisait au sol, touché par balle. Tout ce que je sais, c'est qu'il se faisait appeler les disciples. Alors que les producteurs travaillaient à la recherche de cette émission, l'histoire du culte menait à une impasse. Le groupe, composé principalement de programmeurs, de scientifiques et de techniciens, n'intéressait que peu le KGB. Mais à un moment donné, les producteurs sont tombés par hasard sur cet article. Pour des raisons incompréhensibles, l'histoire d'un autobus rempli de touristes russes qui avait disparu en Égypte en 1985 n'attira que peu l'attention. Toutefois, pendant la phase finale de la production, l'un de nos producteurs sur le terrain est tombé sur l'exclusivité de sa vie. Cela se passa pendant son échange à caméra cachée avec l'ancien courrier diplomatique. That's terrible. It's scary. That's all down here. It's a headquarters of KGB. You've been in there? Yeah. You're ready to pain in your pants. That's terrible. Hey, by the way, when you came out of any of your last trips out of Egypt, did you ever come across a videotape? Egyptian? You're lucky. I have some tape. I saw some pornography, but only the tape. You can have it. The Egyptian police gave it to me as my gift. Thanks. The business. Mais elle éveilla des interrogations chez les producteurs. Que faisait un groupe de touristes en pleine nuit dans un endroit isolé? Cherchait-ils? À un moment donné, la nuit a semblé se transformer en jour. Pourrait-il qu'il s'agisse du premier enregistrement vidéo d'un enlèvement extraterrestre, peut-être un enlèvement de groupe? Cet événement pourrait-il être lié à la découverte du tombeau? Si tel est le cas, ces touristes pourraient-ils être membres du culte? Dans son livre, Ivanovitch prétend que les disciples croyaient que l'ouverture du tombeau enverrait un signal aux extraterrestres d'Orion. Ils ont estimé le temps nécessaire à l'énergie électromagnétique pour atteindre la constellation. Le culte a conclu que les extraterrestres ne pourraient pas revenir avant le 23 avril 1985. Selon Ivanovitch, le groupe s'est rendu en Égypte pour louer le retour de l'extraterrestre que les anciens Égyptiens appelaient Osiris. Ils pensaient que c'était Osiris qui était enterré dans le tombeau du visiteur, que c'était lui qui avait apporté à l'humanité les principes scientifiques de base qui ont marqué le début de la civilisation. Les disciples croyaient que la seconde arrivée d'Osiris annoncerait le commencement d'un nouvel âge pour l'humanité. Le témoignage de la fille d'un couple qui s'est joint au culte va dans le sens de ce que dit l'auteur. Я думаю, что в этом нет ничего существенного. Please keep on rolling, right? So, кто вас? Could you blow it up a little bit? Sure. I wanted to see, like, back off a little bit. I want to see what's inside. Появится. Но не вижу ничего, ничего сейчас не появляется. Сейчас. Ну да не идут куда-то. А вот это вот, ну что вот это вот такое, вот это мелочь? Вообще-то, может быть, вообще-то не Египет, вообще-то другая какая-то страна непонятная. Вот это вот, что это может? Прибыла, судя по всему, на место встречи. Папа! Мамочка, господи, мама моя! Ой, май гад! Thank you.
you see their... Did you see your parents? Yeah. I saw my mom and I saw my daddy there. Точно, это был папа. Это я точно знаю. On a dit que pour comprendre l'Égypte, il fallait démêler la vérité du mythe, de la magie et du mysticisme qui sont tissés dans la toile poussiéreuse du temps. Peut-être en est-il de même avec l'histoire du projet Isis. Démêlez la théorie de la spéculation et il vous restera la vérité. Voici les conclusions qui résument ma recherche. Il y a approximativement 13 000 ans, des extraterrestres d'un système planétaire situé autour d'une étoile dans la constellation d'Orion sont venus sur Terre. Dans quel but ? Il existe diverses possibilités. Il s'agissait peut-être d'explorateurs, comme nous quand nous explorons la Lune et notre propre planète, ou peut-être de volontaires extraterrestres en mission de paix dans une société primitive, ou peut-être encore venaient-ils dans le but de nous coloniser. Donc, l'objectif de cette mission particulière était de trouver la connaissance laissée par une culture avancée qui avait préexisté à l'histoire égyptienne traditionnelle. Un groupe de personnes a commencé à se rassembler, d'anciens employés du KGB, surtout des informaticiens et des techniciens. Ces gens se sont fait appeler les disciples. Mais il y a un chapitre que je trouve intriguant, le chapitre numéro 7. Il y est question d'un culte russe appelé les disciples. Ces individus étaient tous issus de milieux technologiques avancés. C'étaient des techniciens informatiques, des gens du domaine de la téléphonie qui étaient extraordinairement brillants et des gens qui travaillaient avec des ondes radioélectriques. Il croyait que le grand dieu Osiris était une sorte de dieu de la technologie. Il pensait qu'il était venu pour donner aux anciens Égyptiens cette incroyable richesse de connaissances et qu'il finirait par revenir en Égypte. C'était un peu effrayant d'approfondir un tel sujet. Ma maman et mon papa allaient dans la cuisine et parlaient en anglais ou dans une autre langue pour que je ne comprenne pas ce qu'ils disaient. Nous savons que leur site d'atterrissage a été choisi dans un lieu désolé au milieu de notre planète, en Égypte. Je rêvais régulièrement de ma famille, d'une lumière qui les pénétrait, d'enlèvement à destination du vaisseau spatial. Je ne sais pas si ces rêves étaient des hallucinations. Donc, un nombre incroyable d'esprits brillants a quitté Moscou à la recherche du tombeau du visiteur pour attendre le retour du grand dieu Osiris. Dans le monde physique, ils ne sont pas avec moi. Je crois qu'ils sont perdus.
à l'intérieur de moi, une sorte de sixième sens, appelez ça comme vous voudrez, me dit qu'ils sont tout le temps avec moi, d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'ils sont quelque part autour de moi, je sens leur présence en permanence. S'ils ont été enlevés, ils sont ailleurs, bel et bien vivants. Je ne crois pas qu'ils sont morts.